Assalamu alaikum chers internautes. Tay ñu ñëw pour wandé naka ngay def pour changer sa arrière-plan au clavier bi. Voilà, té aussi clavier bi ni daf lay permettre ngay def ay saisie vocale. Voilà, par exemple nga tim sa ben texte nga kay wax tek clavier bi di la ko bindal. Voilà, aussi il faut que nga tal sa connexion pour nga mëna def saisie vocale yoy non. Voilà, té aussi sa micro mu am sensibilité quoi, sa micro téléphone aussi. Mais am sensibilité bu ko défé lo wax clavier bi bindal lako, ça te permet de gagner du temps ci saisie nga xamné do ko nek diko saisie avec sa loxo, mais da ngay wax rek texte bi di la, voilà, clavier bi di la ko bindal légui da ngay won naka ngay défé procédure bobu via le clavier Google qu'on appelle Gboard. Voilà, c'est disponible sur Play Store. OK. Voilà, une fois sur Play Store, là j'ai tapé G. Actuellement, moi je clave installé dans mon dindi. Voilà, les Gboard, Gboard. Tout simplement, on va faire recherche sur le clavier Google. Voilà, une fois mon yonga installé comme mon yonga installé. Voilà, une fois le téléchargement fini. OK, une fois que le téléchargement est paré, je vais ouvrir fi ouvrir. OK, on passe un temps peu. Après nga activer ko fi, activer dans les paramètres. Voilà, légui fini. Dang kay cocher, dang kay activer. Parce mon nek Gboard saisie multiline. Je vais activer. Après nga boss. OK. Voilà, légui nga ñëwaat fi sélectionner un mode de saisie. So cliquer après nga jël bi ni parce que clavier Samsung bi mo nekkon le clavier de saisie par défaut. Légui dañu bëgg jël clavier Google bi Gboard pour mu nekk clavier de saisie par défaut. Nga cocher. Légui mu def configuration terminée. Voilà. Légui bi moy paramètre clavier bi. Mën nga ci amaat accès une fois nga dem ci sa menu gis fa clavier bi aussi, mën nga dugg ci biir clavier pour nga am accès ci paramètres. Légui soo bëggee changer arrière plan bi mooy thème bi quoi, léegi fii ngay bës thème. Voilà, légui thème yi ñoo fi nekk par défaut, am na noir, blanc, bleu, rouge, ainsi de suite. Léegi su fekkee yow da nga see bëgg a def arrière plan boo xam ne image bu la neex nga ciy def, léegi da ngay ñëw fii mais thème nga def plus. Nga cliquer ci plus bi da lay rediriger vers say galerie say image. Voilà, léegi nga jël fii ne image bu la neex. Voilà, nga ràññe ko num la kiwee rek après nga def suivant. Gis nga bu waaye aperçu bi nii lay mel. Léegi fii mën nga régler la luminosité su dee da nga koy wàññi pour clavier bi gën a fës. Voilà, ça dépend. Voilà, ngay xool num la kiwee rek image bi di génnaale en même temps. Léegi nga bës OK. Aussi fii touche yi la lay wax ndax encadrement da nga koy encadré wala nga xool boo ko décoché nii lay mel, boo ko coché nii lay mel nga def appliqué. Voilà, léegi nekk na clavier de saisie par défaut. Voilà, léegi ñu dem ci benn kii ñu essayé léegi le clavier. Voilà, léegi mën nga dugg par exemple Samsung Note. Voilà, ñu essayé def benn saisie vocale. OK, comme par exemple léegi fii nii bu dee pour saisie vocale bi fii ngay ñëw. Bu dee pour da nga bëgg a def saisie vocale yaa ngi gis encore kii bi nii micro bi foofu ngay cliquer. Voilà, nga autorisé ko. Une fois autorisé, voilà, c'est un cas sur installé. Léegi bësaatal ci kii bi parler maintenant. Voyez, donc le clavier écrit ce que je suis en train de dire. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, merci de vous abonner. Voyez,
Donc c'est un clavier très pratique. Je vous conseille de l'installer pour pouvoir bénéficier, voilà, de ces avantages. Ok. Donc, vous voyez le clavier, je vais vous montrer. Si vous voulez arrêter, voilà, les soeurs, elles vont Olaf dans le monde, elles vont dire. Donc, en français, elles donnent. Voilà, vous allez arrêter ici. Vous allez continuer ce qui. Si vous sentirez un foot, par exemple, vous allez arranger les textes kilométriques. Donc, si vous sentirez un foot, après, vous def manuellement quoi, mën nga ko corriger manuellement. Voilà, c'était ça le tutoriel. Di len ñaan ngeen abonné ci chaîne bi. Merci encore une fois, c'est Bamba High Tech. Ok, à la prochaine, bye.